On se retrouve ici pour le premier épisode de Uncharted Drake Fortune. Donc on va se lancer sur un petit let's play à l'ancienne. Allez, c'est parti, on fait commencer. Je vais juste aller voir dans mes options. Au niveau d'une chose. Changement d'épaule. Je regardais si je pouvais pas enlever les vibrations. Et non, c'est pas là. Bon jeu peut-être, petite photo, non. Ouais, c'est pas grave. Allez, nouvelle partie. Campagne. On va jouer en facile. Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi! Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, tu... T'as eu ton scoop, chérie! Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard? Sully, on a des ennuis. Magne-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Oh. Comment nous ont-ils retrouvés ici? Ces types me suivent depuis des semaines, je pense qu'on est débarrassés. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est une longue histoire, tu sais. Alors, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on est sur la version PlayStation 4 qui tourne ici sur PlayStation 5. Hein. Ils avaient fait un remaster avec les trois premiers Uncharted un peu avant. Enfin, dépêche, c'est quand même un ou deux ans, je pense, avant qu'il y ait Uncharted 4 qui sort. Si je me rappelle bien. Et du coup, voilà. Là, on est bien sur la version initialement sortie sur PS4. Ah non, je crois pas. Hop. Aïe.
Récupérer les munitions. J'en précise aussi hein, pour ceux qui savent pas, mais c'est bien la saga emblématique de Naughty Dog maintenant. Et édité par, par Sony, bien sûr. Bon, Sully, tu fais quoi là? C'était pas R1 ici pour recharger. Oh ah, si, mon dieu, Greg! Celui-là, il sort de lance-roquette! Oh. Ah, ça craint là! Qu'est-ce que c'est? Wouh! Allez, Sully! J'ai pas vu Sully du coup. Oh, je crois que je peux dire adieu à ma caution. Ah, il est à bout de son avis. La cavalerie est arrivée! Oh, Dieu merci! Le bateau va sauter, faut qu'on plonge. Ouais. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Allez. C'est bon. Viens. Ok. Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Hé, hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Ah, oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Écoute, alors qu'il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leurs navires, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors ça... Mais... De retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein? Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais! Eh bien, malheureusement, non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Non, la caméra... Non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la cité d'or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien.
parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais. C'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Oh, attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle... Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai vendu une fausse statuette du 16e siècle à Pablo Escobar. C'était plutôt culotté. Mais le temps qu'il réalise était... Nate, est-ce que tu m'écoutes? Je bois tes paroles. Mais pourquoi je me fatigue? Tu crois vraiment que Francis Drake est venu jusque-là? On est à des années-lumière de l'Angleterre. Alors? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Ça y a rien ici, Nathan. C'est encore une impasse. Des calmes, Sully. Relax. Jetons un coup d'œil. Alors, petite phase d'exploration. En sachant que le jeu, c'est un jeu qui est sorti en 2007 en Europe. Hein. Une pucelle dans franchement, une maison close. Ça n'a pas vieilli, hein, même si on est sur la version PS4. Hein. Je trouve ça toujours très bien fait, moi. Voilà, ça c'est mieux. Surtout que pour la petite anecdote, celui-là est sorti en 2007. Qu'est-ce que c'est ? Et Tomb Raider, c'était plus aussi. 2000 ans de plus. Aussi à la mode qu'avant, si je peux dire. Parce que pour qu'il y ait le reboot qui sorte, il est sorti en 2013, donc bien des années après Uncharted, quoi. Si je me rappelle bien, il faut grimper ici quelque part, mais je ne sais plus où exactement. Ah, c'est là. Hop. T'as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. Oh, oh. Sois prudent là-haut. Hé, hey, il a l'air bizarre le sol en bas. Ouais, effectivement. C'est creux. On doit trouver un moyen de casser ça. Je pense qu'on l'a juste en face de nous. Oh oh oh. Oh oh. Hop, petite phase de tuto en même temps, hein. Yep.
Bon travail, petit. Et hop, c'est ouvert. Ah, j'ai besoin des lampes torches ici. Oh, oh, oh! C'était aussi la première nouvelle licence de Naughty Dog à l'époque sur la machine. Donc c'était un changement assez important à l'époque. Hein. Ouh, c'est charmant et accueillant ici, hein? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein? Ouais, mais il est où ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake. Regarde ça. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Oh. C'est quoi ton problème? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Ah, je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais? C'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena? Arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin. Ces Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Alors, du coup, on va explorer un petit peu ici cette zone. Sois prudent, Light, ça fait une sacrée chute. Ouais, on va essayer de ne pas tomber. J'étais buggé contre Sally. Et. Tu peux casser les pots aussi. On doit trouver un moyen de traverser. Hop, voilà. Ah, ça va marcher. Par contre, avec le... Si je me trompe pas, avec le remaster, ils avaient sorti... Enfin, ils avaient modifié les touches. Parce que initialement, il me semble... Ou alors, c'est moi qui me trompe. Hein, il me semble que les touches de visée et de tir, c'était inversé. C'était R1 et L1. Et là, on est sur L2 et R2. Ils en sont un petit peu adaptés... par rapport à la nouvelle manette à l'époque qu'il y avait sur PS4. Si je me trompe pas, hein, parce que j'ai pas rejoué à la version PlayStation 3 depuis des années, donc ça c'est quelque chose que je peux pas vous confirmer quoi. Il faut mâcher le bouton ici, c'est vrai. Pour ouvrir la porte. Ok, laisse-moi faire ça. Pour finir, il te dit bah non, laisse-moi, je vais le faire. Maintenir ouverte. Va voir si tu peux la coincer de l'autre côté. Ok. Coincer de l'autre côté. Ah, il y a le petit chariot là. Dépêche-toi. Allez, on y va. Ça devrait tenir. Grouille-les. C'est cassé, on c'est passera pas par là. Loin. Espérons que cet endroit a une porte de derrière, hein? Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. Ouais, ici. On dirait une sorte de lampe ou de brasero. Regarde si tu peux l'allumer. Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver, hein? Celui sans cigare. Attends, parce que du coup, je dois réfléchir comment il faut faire. Moyen de passer ces décombres. C'est pas tirer dessus qu'il faut faire. Ah, voilà. Yes.
Il y a pas mal de petites énigmes comme ça qui sont sympas à faire. Alors et maintenant ? Bah maintenant... on va pas sauter dans le vide, hein. C'est par là. Ned, avec 30 ans de moins, j'aurais peut-être réussi à faire ça. Hop. 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 Non, 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 non. Et on descend. Hop là. Je regarde dans les pots parce qu'il y a aussi des trésors à débloquer à certains endroits. Il me semble pas que pour l'instant on en ait déjà vu ou pas, mais normalement t'en as à débloquer aussi au fur et à mesure que t'avances dans le jeu. Ça, ça va péter par contre. Voilà, du coup il peut descendre. Parce que sans ce lien on peut pas ouvrir le passage là avec les flammes. Il va allumer le brasero. Et maintenant, on peut avancer. Nouvelles petites énigmes. C'est pas très compliqué parce que tu vois les endroits où tu dois passer. Hein. Hop. Tu crois que ça mène où ? Attends, je reconnais ces symboles. Gardons il faut respecter l'ordre de ces symboles. Donc celui moi, que j'ai mis, c'était déjà le quatrième. Donc, ok. Là-bas, c'est lequel des symboles ? Ça, ça a l'air d'être le deuxième. Ok. Et les deux autres, ils sont où ? Ah, les deux autres, ils sont en bas, là. Non, descend. Hop. Ça. Non. Et ça, c'est le premier, du coup. Attends, ils sont où alors ? Ah, ils sont en hauteur. Ils sont tous en hauteur, j'avais pas vu. Bon, faut d'abord aller faire celui-là là-bas. Tac, ça c'est le premier. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le deuxième, c'était lequel ? Le deuxième, c'est celui avec l'épée. Donc ça, c'est pas celui-là. Ça, c'est le troisième. Là, ça fait deux. Ou la caméra. Ça, c'est trois. Et le quatrième, il est de l'autre côté. Qu'est-ce que je me fais ?
Bon, bah, il a pas voulu sauter. C'est super. C'est super, je saute à côté. Hop, et le dernier, c'est celui-là. Et là, la porte va s'ouvrir, normalement. C'est profond. Ouais, on dirait qu'il y a une échelle sur le côté. Attends ici, je vais voir. Bon, sois prudent. On teste, on saute dans l'eau. Je vais regarder pour sauvegarder. Oui. Je suis mort. Bon donc, l'échelle. Hop, on s'agrippe au rebord. C'était pas sauter dans l'eau du coup. Alors ça par contre avec les crânes. Je me rappelle bien, ça m'inspire pas confiance. Hein. Ah bah non, ça ouvre l'eau, ok. Oh, ça mène quelque part. Par là, il n'y a rien d'autre, là, il n'y a pas de mécanisme non plus. Ah, me dis pas que tu vas nager là-dedans. J'en ai vu d'autres. Voilà, là, cette fois, on peut tomber dans l'eau. Trempé. Tu m'en diras tant, t'es tout trempé. Hop. Là, on prend le poteau. Enfin, c'est pas un poteau, c'est la racine d'arbre. Je suis de l'autre côté. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Un coup d'explosion, mais oui. Bien joué. Dans le pot, là, y a rien. Alors, du coup, là, on va devoir faire la porte à deux. Voilà. Ah, je me rappelle de ça, on va rigoler ici. Bon, ça a l'air de tenir. Nate, sors de là, maintenant. Alors faut savoir, pour l'anecdote, hein, c'est ce personnage là, Nathan Drake, c'est le personnage le moins chanceux du monde, quoi. J'ai réussi. Vous allez vite le voir. Tout va bien. Ok, je crois qu'on tient le bon bout. Après ça, on a plutôt intérêt. Oh, wow. Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi ? D'une statue. Statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens, ils vouent un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. Bien sûr. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or.
Mince. T'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi? Qu'on suive les traces? Alors donc du coup on doit retrouver l'idole en or. On va suivre les traces hein, comme il nous l'indique. Hein. Ça s'arrête là. J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit. Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager à raccourci pour sortir le trésor. Super. Et maintenant? Et maintenant, on grimpe. Là, il y a un trésor, par contre. Ah, voilà. Torture en argent. On fera pas tous les trésors, parce attends, que je sais pas où ils sont tous. On fera vraiment le jeu voilà à un truc d'une qu'on grotte. Voit pas tous les jours. Oh mon dieu. Wow. C'est pas croyable. Je pense qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. On va jeter un coup d'œil? Non, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre? On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des... nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Tu veux garder ça pour moi? Ok. Je vais employer la manière forte. Allez, plouf dans l'eau. Par contre, je sais plus par où tu peux monter. Escalader ces falaises pour atteindre le sous-marin. Effectivement. Tac, hop, on monte là sur le rebord. On chope l'alien. Hop là. Ce qui m'a toujours aussi impressionné dans ces jeux-là, c'est que ils ont réussi à faire les trucs visibles, mais sans dénaturer le décor, les accroches. Hey, ça c'est cool. Ça fait une sacrée descente. Et tu vois le bateau avec et le soleil là. Ouh, il a failli tomber. Par contre, il faut effectivement tomber, hop, passer sur celle-là. Ouf. J'ai peur à chaque fois qu'il saute. Nate, tu devrais pouvoir de là descendre directement dans le sous-marin.
Yep, là on est sur le bateau. Enfin, sur le sous-marin en l'occurrence. Maintenant, faut trouver le sous-marin. Ça, c'est marrant. Je vais aller voir là-bas s'il n'y a pas un truc. Oui, il y a effectivement un truc qui clignote. C'est un petit rêveur. Voilà. Boucle d'oreille à un quart. Et celui, il est là. Coucou. Et on va choper l'entrée ici. Hop. C'est bon, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars. Il y a du sang partout. Et de la soupe. Quoi ? Hop, on descend d'un niveau. Ça, mon pote décomposé de l'au-delà. On trouve une petite pièce. Je crois que la piste se réchauffe. Comment ça ? Eh bien, je viens de rencontrer un type avec les poches pleines d'or espagnoles. Seules les pièces sont frappées d'un sceau que j'avais encore jamais vu. Tu me fais marcher. On dirait que nos amis allemands ont un petit secret. Il faut tourner le... sinon ça fonctionne pas. Dans la cabine du capitaine. Et devine quoi ? Il est toujours là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il a été tué et découpé en morceaux. Triste fin. Ouais, ouais, c'est horrible. Fais-lui les poches. T'as du cœur, Sully. T'as quelque chose, gamin ? UK-2642. UK-2642. Je t'ai eu. Est-ce que ça va ? Sully, tu vas jamais me croire. Vas-y. J'ai trouvé la page manquante. Tu rigoles ? On dirait que Drake et nos amis allemands cherchaient le même trésor. Et j'ai la carte qui va nous y mener direct. Nate, j'espère que c'est pas encore un de tes sales plans. Il faut qu'on ramène quelque chose, sinon... Sinon quoi ? Sully ? T'es là ? Sullivan ? Alors, Sully ne répond plus.
on va vite sortir de là. Oh, oh, non, non, non. Ça me dit rien qui vaille. On y va. Quand je disais qu'il avait la poisse... Bonjour. Un ami à toi, Sully? Je suis Gabriel Roman. Ouais, je sais très bien qui tu es, sale con. Restons polis, jeune homme. Tout ceci n'est que du business. Va par là. Doucement. En l'air, les mains. Ça va? Bon, votre ami me doit de l'argent, monsieur Drake. Beaucoup d'argent. Alors, quand il m'a dit que vous étiez sur une grosse affaire, la découverte du siècle, selon lui, eh bien, ça m'a intrigué. Mais il a déjà fait de grandes promesses, n'est-ce pas, Victor? Et là, ça recommence. Encore des paroles en l'air. Oh là là, il est toujours comme ça? Calme-toi, Navarro. Alors, je crains que tout soit terminé. À moins, bien sûr, que vous ayez trouvé quelque chose là-dedans, monsieur Drake. Quelque chose qui pourrait compenser tous ces désagréments. Ils se foutent de toi, Annette, ils ont tout entendu. Donne-leur la carte. Doux. Une carte de la Kriegsmarine? Quel rapport avec Eldorado? Quoi, tu crois que c'est une coïncidence? Les Allemands cherchaient le même trésor. Cette carte a un lien avec tout ça. Alors, on est quitte? Pour l'instant. Mais voilà un petit quelque chose contre l'amnésie. Allez, c'est bon, laisse-le en dehors de ça. Ah ouais, vous êtes pas plutôt du genre à couper un doigt ou un truc comme ça? C'est bien trop vulgaire. Non, je pense que ça lui fera un peu plus mal. Oh là, oh, 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 oh! Allez, Roman! Il a rien à voir avec... Sully! Sully! Espèce d'enfoiré! Allez, c'est parti, c'est la course. Ça a déjà une ronde de secondes. Allez, cours, 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 cours. Qu'un voleur de tombe. Sully est mort. Quoi? Ouais. Mais on sera les suivants si on reste là. Oh mon Dieu, je suis désolée. S'il te plaît, dis-moi que t'as un flingue. Bien sûr. Oh, merci. Allez, c'est parti. Elle m'a tué au moment où elle lui a foutu un nion ploup. Drake, attention. Il est là-bas. Putain, mais genre, je suis arrivé derrière lui. Ça aussi, des fois, je comprendrai jamais. Oh. Ils sont morts. Les munes. Prenons les munitions. Tu passes ton temps à te faire tirer dessus. Ils te tirent dessus aussi, tu sais. Bye bye. On a récupéré la K. Par ici. Hop la tête, ça pardonne pas. Il est là-bas. Tu le. Faut pas le perdre. Ok. Hop là, il y a un trésor là. Allez, prends-le. Hop, un calice. Munition pour l'AK.
Enfin, je dis hacker, mais c'est pas un hacker. Donc peut-être que si je sais pas connaisseur en arme. Oh, la flingue à Elena. T'éloigne pas. Les laissez pas passer. Ça me perturbe qu'il toujours de l'autre côté quand il tient par défaut. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Une longue histoire, je te raconterai plus tard. Pas tomber dans le trou et je tombe encore dedans. Commence à balancer des grenades. Non, c'est R1 pour recharger. Ah, normalement on est bon. On prend les mines. Toi, ces gars-là rigolent pas. Et ça grimpe. Il me semble qu'il va y en avoir quelques-uns aussi qui vont se débarquer de là. Généralement, de toute façon, quand on te met des endroits pour te cacher, c'est que ça pue les ennemis. Non, j'appuie sur la touche okay. Corps à corps pour recharger à chaque fois. Je reste avec le gun normal. Là c'est bon, on va pouvoir y aller. Hop là. Et le bug. C'était beau ça. Ça remonte un peu. Par contre là. Drake, attention. Oui, j'ai vu. J'étais un peu long, j'ai pas eu le choix d'avancer. Comme vous l'aurez vu, il y a quelques bugs, mais rien de bien gênant, quoi. De manière générale, le jeu est assez bien fini. Ceci, ce qui a fait sa force à l'époque. J'ai failli l'avoir. Ils font mal, hein. Ah, ça c'est Elena ça. Bah elle l'a eu. Et les IA qui sont avec toi sont pas trop cons comment ça va généralement. T'as toujours été si populaire? Bah on dirait que j'attire toutes les ordures de la Terre. Elle prend pas pour toi. J'avais compris, ouais. T'as une bonne mémoire? Pourquoi? UK2642. Tu retiens? Ouais, qu'est-ce que c'est? Les coordonnées de la Kriegsmarine. Je sais où les Espagnols ont mis Eldorado.
Eldorado ? Le problème, c'est que je suis apparemment pas le seul. Merde ! Et si les Espagnols ont trouvé le trésor, ils ont dû le cacher là, sur cette île. Et Drake les a suivis. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend ? Je vais avoir mon histoire, et toi, t'auras le truc que tu cherches. Allez ! Hé, tu sais, ça va pas être des vacances. Je sais me débrouiller toute seule, tu sais. Et en plus, tu me dois quelque chose. Si tu le dis... Nous sommes sur la piste du trésor perdu d'Eldorado, qui nous a menés ici, sur cette petite île au beau milieu de l'océan Pacifique. On va s'approcher un peu. Espérons qu'on soit les premiers. Allons-nous découvrir les ruines d'une colonie oubliée et une fortune en or espagnole ? Ou est-ce que cette île nous réserve des surprises bien plus sombres ? Ça devrait les empêcher de zapper. Ah ! Attends, c'était quoi ça ? Des tirs anti-aériens ! Ça, ça ne fait pas du tout ! Oh merde ! On est en feu ! Éteins cette foutue caméra, on va le voir sauter ! Sauter ? Il y a des parachutes là-dedans, moi ! C'est le moment de le découvrir ! J'espère que ces trucs marchent encore ! On va pas tarder à le savoir ! T'as déjà fait ça avant ? Bien sûr ! Il faut juste sauter, compter jusqu'à 5 et tirer la corde ! Maintenant, vas-y ! Tu viens pas ? Je suis un peu occupé, tu vois ? Allez, saute ! Oh ! On se retrouve en bas ? Vas-y, je te suis ! Fait attaquer par les inconnus, j'oublie la carte dans un avion en flammes, je perds Elena, qui est sûrement morte. Continue comme ça. Et du coup, on va se laisser là pour le premier épisode sur Uncharted à Drake's Fortune. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Ciao, ciao.